Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique tarborienne. Une chronique tarborienne au cours de laquelle nous allons parler de ceci. Brumes et démons, les chroniques de Corme. Alors, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous connaissez certainement, vous avez dû visionner quelques vidéos à propos des chroniques de Corme. En fait, qu'est-ce que si que quoi que c'est que donc que cela? Eh bien, les chroniques de Corme, Corme, c'est tout simplement un univers que j'ai développé pour mes besoins personnels afin de pouvoir y faire jouer des campagnes de jeux de rôle médiéval fantastique. Il y a eu plusieurs, il y a toute une série de vidéos à propos de ça, il y a eu plusieurs moutures, hein. Bien sûr, mon travail, c'est étalé, les choses ont été jetées sur le papier, puis retravaillées, etc., au fur et à mesure que les aventures que je faisais jouer à l'intérieur se développaient. J'avais toujours quelque part en tête l'idée d'éventuellement pouvoir publier ces choses-là, afin que d'autres personnes puissent profiter de cet univers et faire des parties dedans. Et puis après un peu de maturation, de réflexion, je suis venu à me dire que la meilleure solution pour un indépendant comme moi, c'était de proposer ça sous forme d'un petit fanzine, d'où Brumes et démons. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être comme ça des petits fascicules, celui-ci fait 55 pages, avec à chaque fois dans le fascicule une partie qui explicite un peu l'univers, le cadre de campagne en fait, et puis une partie qui est centrée sur une chronique, en gros une aventure. Là c'est dans une mouture, c'est propre à être utilisé avec n'importe quel jeu OSR, puisque j'ai fait jouer ce scénario avec de l'OSR. Bon, moi j'ai utilisé Old School Essentials, mais c'est fait très facilement transposable, voire même ceux qui préfèrent des éditions un peu plus crunchy de D&D like peuvent faire de la cinquième édition, des choses comme ça, c'est assez facile, il y a juste les monstres à switcher et pour le reste, et les PNJ, pour le reste, toute l'aventure se tient. Alors on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, ce qu'on trouve dans ce premier numéro. Je vais essayer de ne pas faire de spoiler. Toutefois, si vous escomptez jouer cette aventure en tant que joueur, peut-être, il faut vraiment éviter la suite de la vidéo, parce que je risque malgré tout de dévoiler quelques petites choses. Alors, nous commençons par... je vais déjà vous faire voir un petit peu l'intérieur. Alors moi, je ne suis pas du tout illustrateur, donc ni même maquettiste. Hein. Donc vous voyez, j'ai opté pour quelque chose quand même d'assez... j'ai fait l'ultime passe de relecture, donc il y a quelques petits trucs sur les versions, les autres versions du livre, bien sûr, vous n'aurez pas ça. J'ai essayé de faire quelque chose de clair, de bien posé. Il n'y a pas vraiment d'illustrations, et celles d'illustrations qu'on va trouver, ce sont des plans réalisés par mes soins. Là, c'est un plan de donjon, c'est un donjon à explorer dans cette partie-là. Donc voilà, et puis il y a quelques tableaux, comme là dans les aides de jeu à la fin. Je vous ai mis une petite table avec des occupations et des noms de PNJ, c'est toujours pratique en partie. Donc ben, je commence par une petite note d'auteur, hein, pour expliquer un petit peu tout ça. Et puis après, on va attaquer dans le clair le continent de Sopol. Alors Sopol, qu'est-ce que c'est? C'est le continent principal en fait de l'univers de Corme. Continent qui a abrité pendant des millénaires l'Empire de Corme, hein, donc l'Empire du Soleil, qui est un empire qui est un peu, on va dire, qui a un peu périclité avec les années. Là, quand commence la campagne, l'Empire est déjà bien mis à mal. Quelques considérations générales, les langages parlés dans l'Empire, la situation politique... en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques mois, on va dire, la population est plongée dans le désarroi le plus total, puisque l'empereur Artabas II est mort et que le trône d'Airain est désormais vacant.
et qu'il va commencer à y avoir une espèce de lutte politique entre les grandes maisons. C'est un peu la toile de fond de la campagne. Il y a comment dirais-je, une guerre de succession, si vous voulez, entre les différentes grandes maisons qui, l'empereur n'ayant pas d'héritier, veulent chacune placer quelqu'un un membre de leur lignée sur le trône. Ensuite, nous avons donc un petit tour sur les divinités, quelques dieux. Gorn, le père des dieux, Arum, le dieu solaire, Un, la déesse de la guerre, quelques cultes sombres aussi, voilà, parce que dans Korn, il y a la particularité, c'est une fantaisie, comment dire, un peu, j'allais dire, merveilleuse. C'est pas de l'épic fantasy, on se rapproche un peu plus quand même de la Sword and Sorcery, donc il y a des cultes mauvais, des créatures un peu bizarres. Ensuite, je vous parle un petit peu des grandes maisons, d'une manière générique, et puis je m'étends un peu plus sur deux d'entre elles, la maison Atarid et la maison Orombe. Ensuite, je vous parle des Sarks. Ensuite, nous avons un petit chapitre sur les factions importantes. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va retrouver le Prima Consortium, l'Ordre des Cavaliers Dragons, le Cercle d'Alamir, les Prêtres de Gorm, les Lance-Croix, la Plume d'Argent, le Sandarim, qui sont des factions dans ma campagne. Alors, ce que je fais, c'est que à chaque fois, j'essaye de développer des factions ou des éléments du cadre de campagne qui vont être exploités dans l'aventure. Ici, la première aventure, qui constitue aussi le départ d'une campagne, c'est la nuit du faucon de cendre. Et donc voilà, on va retrouver des éléments qui ont trait à cette aventure, pas que, mais quand même. Après, il y a un petit mot sur l'introduction au scénario, le synopsis, un petit laïus sur le faucon de cendre, qui est une relique, et puis après, on va attaquer direct, en route pour le temple, directement, on attaque l'aventure, les abords du lieu saint, le fameux temple, attention, spoiler avec le plan, le fameux temple des éléments, et puis voilà, on va visiter tout ce temple, donc je vais pas m'étendre davantage pour pas faire de spoil. Et puis, qu'est-ce qu'on va retrouver à la fin de cette aventure après un petit épilogue qui permettra de faire la liaison entre ce scénario qui est dans le tome 1 donc de Brumes et Démons, et puis cette première chronique, et puis la chronique suivante. Ensuite, nous avons, j'ai rajouté quelques house rules que j'utilise. Donc, vous avez un petit chapitre house rules. Voilà, ça c'est pareil, c'est des propositions. Moi, je les ai testées en partie, ça marche plutôt bien. Vous pouvez picorer, en prendre certaines, en ignorer d'autres. Et puis tout à la fin, je me suis dit que c'était pas mal de faire un bref chapitre sur les quelques conseils de maîtrise. Notamment, je vous parle du scénario, mais il n'est pas très compliqué ce scénario. Donc je ne m'étends pas trop sur les scénarios, mais je vais plutôt aborder des notions un peu plus générales, comme le rythme, la prise de parole, la narration, et puis également un petit paragraphe sur ne pas négliger le pouvoir de l'émotion, hein, ce qui fait qu'on a tous accroché avec le jeu de rôle. C'est quand même que par rapport à d'autres jeux, on est quand même sur quelque chose de très, très émotionnel, hein. On vit des choses, c'est riche en émotions autour de la table, et donc je pense que tout maître de jeu doit veiller à essayer de faire passer ceci, de transmettre cela. Donc voilà, c'est le premier tome, j'espère, d'une longue série. Je vais voir un petit peu comment ça prend, hein, si ça intéresse les gens déjà, s'il y a des gens qui me font des retours positifs, n'hésitez pas à me faire des retours, qui font jouer la chose et qui trouvent ça intéressant pour leur partie d'OSR, je pense que je continuerai comme ça à développer ce petit univers. Voilà, c'est du A4, je vous dis, celui-ci fait 55 pages, je pense que c'est un bon format, là, autour de entre 50 et 60 pages,
pour avoir quelque chose qui est compact, fluide, qui permet quasiment de se jouer. Si vous avez des règles d'OSR, vous pouvez jouer ça, c'est quasiment du clé en main. Hein. Vous ouvrez le bouquin, vous lisez et vous faites jouer directement. Il ne va pas vous manquer grand-chose, si ce n'est des dés et des joueurs. Et là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'y ai mis, comme au départ, c'était les scénarios, un univers que j'ai développé pour moi-même, j'y ai mis tout ce que j'avais envie d'y mettre. Hein. Ça pourra peut-être sembler un peu foutraque aux joueurs, etc. Ce que je me suis surtout attardé sur, donc dans ma réflexion, sur faire quelque chose qui soit facilement préhensible et qui garantisse tout de suite de pouvoir jouer. C'est pour ça que je suis tombé sur cette formule de fanzine, c'est-à-dire que moi je sais qu'avec avec l'âge, dirais-je, le concept d'avoir à m'avaler un bouquin de 400 pages pour commencer à faire jouer, ça, voilà, j'en suis un peu revenu. Maintenant j'aime bien les choses un peu brefs comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, avoir avec des éléments qui sont donc en rapport avec ce qui va se jouer dans le scénario. Il y a un peu d'ouverture sur le reste. À terme, le but, c'est que vous puissiez visiter vous-même et puis faire découvrir l'univers de Korn à vos joueurs. Voilà, pour que ça reste axé quand même sur quelque chose à jouer. Hein. C'est pour ça aussi que bon, je suis pas du tout dessinateur. Pour ce premier numéro, je n'avais pas trop d'opportunités de faire appel. Ça viendra peut-être hein, si la chose prend. J'essaierai peut-être de travailler avec des illustrateurs, mais ça risque de grever le poids de l'ouvrage pour peut-être quelque chose qui, à mes yeux, n'est pas essentiel pour pratiquer le jeu de rôle. C'est sûr que c'est toujours un plus, hein, d'avoir, moi je suis comme vous, les beaux livres avec des illustrations, bien sûr, c'est un plus, mais dans le cas voilà, d'un auteur indépendant, l'essentiel en fait c'est le contenu et puis ce que ça va vous permettre de pouvoir faire clairement autour d'une table de jeu pour profiter de la chose. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, c'est aussi un moyen, je vous cache pas, de soutenir ma chaîne, hein, ma chaîne YouTube, sur laquelle je fais des vidéos. Voilà, ça permet de vous mettre quelque chose à disposition, quelque chose en rapport avec le jeu de rôle, de jouable et je pense d'agréable. Et puis, ça permet aussi de soutenir un peu financièrement la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.